Je vois des lumières dans le ciel. Mais mes yeux sont flous. Il me faut des lunettes. Je vois rien du tout. Oh my god. Ces lumières deviennent un peu intenses. C'est... En fait, c'est pas du tout un alien. C'est, je suis sûr, un lampadaire avec trois luminaires, tu vois. À tous les coups. Oh mon sang, c'est un chandelier. Oh, j'avais raison. C'est quand même bien fait. Jeu est très joli par contre. Hein. Jeu très très joli. Oh, qu'est-ce qu'il a... Oh, il a vomi ou... C'est quoi ça par terre? C'est dégueulasse. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce jeu qui a une ambiance tout bonnement très bien posée. Il s'appelle Cordosis et apparemment il est sous un moteur graphique très 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 poussé puisque comme vous pouvez le voir, les graphismes sont plutôt beaux. Moi j'aime bien quand c'est comme ça. La musique est cool aussi. Alors c'est vraiment le bordel hein. Oh là là. Il va pas bien le monsieur. Par contre, la maison me faisait penser à une maison dans un autre jeu que j'avais fait. Qu'est-ce qu'il fait? Eh, on peut pas commencer un jeu comme ça, monsieur. C'est... Non. C'est un coup à tomber directement dans les backrooms par contre. Hein. Je dis ça, je dis rien. Oh là là. Pourquoi tous les jeux d'horreur c'est toujours comme ça? Oh my god. Putain, y a un dédoublement des persos. Et du coup... Wow. Genre... Je suis dans une voiture. C'est plutôt un van en vrai parce que j'arrive pas trop à me tourner derrière mais il y a... Je peux y aller? Ah ouais, je peux conduire. Hello. Ce mec il roule sans roue par contre, hein. Je sais pas si vous avez remarqué. Alors, j'ai l'impression d'être dans le début d'Outlast. C'est trop drôle ça par contre. Ah par contre je peux conduire, alors ça c'est cool. Vous allez voir à quel point je conduis super bien dans les jeux vidéo avec un clavier. Et je vais pas du tout, je zigzague pas du tout, je sais pas pourquoi vous pensez que je zigzague. Oh my god, putain mais... Je fais pas exprès en plus. Attends, c'est bon. Ah, ah. Oh, vas-y. Ah, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, hein, c'est sûr. Ah, j'ai presque plus d'essence. Hein, avec ces bêtises là. Regardez, mon essence est plus beaucoup. Plus beaucoup d'essence. On va devoir s'arrêter à un moment donné et faire l'essence. Bon, techniquement, je peux encore rouler 40 km avec ça. Hein, là, faut pas commencer à me la faire à l'envers. Hein. Genre, littéralement, quand ton bac clignote, tu peux encore faire 40 km. Enfin, ça dépend des voitures, hein, mais... En tout cas, la mienne, c'est comme ça. Oh non, t'as... Oh non. Attends, c'est bon. On peut sortir de la route. Non, c'est quoi, ça?
Ah, il doit y avoir une station-service quelque part dans ce village. Ouais, allez. Hop, hop, hop. Oh non, à plus. Ah, pourquoi ça accélère d'un coup? Ça a accéléré d'un coup, what the fuck? Ça va, je peux encore rouler, je peux encore rouler. Ouais, je sais pas pourquoi en fait la voiture elle a accéléré d'un coup, tu sais, du style en mode allez, j'ai un sursaut d'essence, let's go. C'est bizarre ça. La route elle est longue encore. Il y a pas de station service hein. Comment ça m'inquiéter cette histoire là. Oh non. Oh non. Oh non, c'est mort. Oh non, l'auto il peut pas être plus. L'auto il peut pas être plus. Non, ça peut plus. Flûte. Je fais quoi, moi? Ah, oh, on peut aller directement à l'arrière. C'est ma maison en même temps, c'est normal. Alors, est-ce que ce gars-là... La porte était déjà ouverte. Est-ce que ce gars-là, c'est le même? C'est quoi, ça? Ça, ce sont ses affaires. Elle était toujours en train de créer. Elle avait toujours un projet pour elle. Alors, cette télécommande, eh bien, c'est la seule chose qu'elle m'a laissée avant de disparaître. Ok. Take, leave. Je vais le prendre. Equip the controller, then look down at it. Ok. Life. Media. Ah, c'est le menu. Ces objets, je peux les placer là. C'est super stylé si c'est le cas. Ça, c'est quoi? Une lampe torche. Un flashlight. Une lampe torche avec une sorte de d'interface. Enfin, un truc attaché avec. Ok, je prends. Flashlight F. Ça a l'air de bien éclairer. Ça, j'aime bien. Du coup, ça, c'est quoi? Ah, d'accord. Et du coup, quand j'utilise... Le menu, ça rentre dans les trucs comme ça. No media, data, wall surveillance. Surveillance du mur. Oh, quelqu'un. Ok. Je sais pas ce que je suis censé voir et comprendre avec ça. C'est peut-être la dernière chose qu'on a vue d'elle. Genre, on sait pas c'est qui elle, mais il parle d'elle comme ça, tu vois. Hold down. Ok, d'accord. C'est comme d'habitude sur les jeux de ce style. Tu fermes et tu ouvres la porte avec la souris. Alors, j'ai besoin d'essence. Donc ouais, là, le but sera donc de récupérer de l'essence, je suppose. Et de retourner sur mon petit camping-car. C'est ma maison, c'est toute ma vie. Hein, donc on va faire en sorte que tout se passe bien. Graphiquement, le jeu est une petite claque. Alors, après, tu vas me dire, oui, bah, c'est normal avec Unreal Engine. Tous les jeux sont une petite claque, mais moi, je trouve... Épisode 1. The Home. Je sais pas si je me suis lancé dans un jeu qui est long ou pas en vrai, parce que en règle générale quand je teste des petits jeux comme ça indépendants, on en a pour 10-15 minutes. Et là celui-là il était payant, mais je sais pas si c'est un jeu qui est long ou qui a genre c'est un vrai jeu avec 6 heures de gameplay par exemple, je sais pas du tout. Si jamais le jeu vous plaît, il est important les amis que vous laissiez un pouce bleu sur la vidéo. Et éventuellement je le ferai peut-être en live et il y aura la suite du coup en live sur cette chaîne. Alors, Golden. Moi, ce que j'aime bien avec le nouveau moteur graphique, etc. Alors déjà, vous pouvez le voir au niveau des arbres. J'aime bien analyser ce genre de choses, mais regardez ça. Regardez un arbre, c'est plus un arbre simple. Hein. Il y a des feuilles dessus, des racines et tout. Et regardez le sol. Il y a de la boue, il y a des gravillons. C'est même un peu trop sale, à mon sens. Je veux dire, c'est peut-être un peu trop sale. Mais au-delà de ça, c'est quand même... incroyable. En fait, maintenant, on est arrivé à un stade où maintenant les environnements, comme tu peux le voir comme ça, là, si tu squintes un petit peu des yeux, t'as l'impression que c'est une photo. Donc là, c'est la station-service. Ça y ressemble pas, hein. Ça va être surtout super abandonné, ici, surtout. J'ai l'impression que j'ai atterri dans bidonville party, tu vois. Il y a un chemin qui continue là-bas, mais aussi un chemin qui continue dans cette direction. C'est vachement bien éclairé, donc je vais en profiter. Hello ? Si je force, ça passe.
Ah oui, je... ça passe. Oh mon dieu, c'est trop bien. Oh, c'est ce qui a fait que j'adorais Half-Life et Amnesia, c'est que tu peux bouger les objets, etc. pour faire tes trucs, c'est trop bien. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Do an haunt village in shock as disappearance remains a mystery. Apparemment, ils sont en choc à cause d'une disparition. Bus carrying 24 children. 24 enfants dans un bus avec deux professeurs ainsi que le chauffeur ont disparu pendant un voyage à côté de la ville. Oh. C'est sûrement très important s'ils nous en parlent maintenant, tu vois. Je peux tout prendre. Je peux tout soulever dans le jeu. Alors, R pour rotate. Ok. Ah, oh, la physique est trop bien faite, j'aime dire. Voilà. Alors, ouvre cette porte, toi. Je peux pas? Je peux pas l'ouvrir, la porte. Même s'il y a des choses derrière, je peux pas l'ouvrir. J'espère que c'est pas ça que je dois faire, parce que... Parce que là, je peux pas ouvrir la porte. Si je prends un objet... Ouais, la porte, elle bouge pas. Hein. Elle bouge pas, la porte. Attends, il y a quelque chose. C'est vraiment stylé. C'est quoi, ça? Un remède naturel avec des propriétés de soin. Ça veut dire que je peux mourir dans ce jeu? Move it closer or further. Et les trucs dans... Mais c'est trop bien. Franchement, je suis choqué, les gars, de la physique. Je suis choqué de la physique, les gars. C'est incroyable. Bon, il y a un truc apparemment à l'intérieur. J'ai vu un petit point. Là, je peux voir ça. Comment faire? Ouais, je peux pas, c'est un peu lourd. Là, je pourrais pas faire pareil. Pour y aller, peut-être que je peux entrer par l'échelle qui est là. À moins que l'échelle, c'est vraiment le truc qui me permet de monter au-dessus. On va voir si je peux faire le tour. Oh, il y a de la flotte. Ok, c'est inondé. Et en fait, je peux juste faire le tour. Ouais, voilà. On peut juste... Hello? Hello? Sadie? Hello? Ah non, Sadie, c'est mon personnage. L'homme derrière la porte. Juste prends-le et va-t'en. C'est l'essence? Enfin, merci, mais... Ah non, c'est pas de l'essence, c'est un jerrycan mais qui est vide. D'accord. Monsieur? Ah, et si je pose pas de l'inventaire, il reste par terre. Faut que je fasse gaffe à ça. Il n'est pas très amical, mais je devrais parler avec lui un peu plus. Pourquoi? Hop. Ben si, mais le jerrycan est vide. Il y a encore un petit peu d'essence dans le garage. Je le déverrouillerai pour vous. Merci, mais je suis ici pour remplissez et partez. Ce soir, les choses ne sont pas comme d'habitude. Qu'est-ce que vous voulez dire? Dépêchez-vous. Et c'est ce moment où un mec random qui te montre pas son visage, qui te donne un jerrycan d'essence, qui te dit casse-toi. Je veux dire, théoriquement, je serais parti, hein. J'aurais même pas cherché à essayer de comprendre. Je serais parti directement. Parce que le mec il est en mode vas-y, non mais tiens, je te donne ça pour que tu pourras survivre si tu fais ce que je te dis. T'es là en mode ah. Comment on fait pour prendre cet objet là? J'ai besoin de cet objet, je dois monter sur le toit. Donc c'est là. Donc en fait cet endroit là, ça mène de l'autre côté de là où il est. Hein. La porte du garage va être ouverte. Vraiment je peux courir sans trop de problème.
Le garage est ici, d'accord. J'ai l'air d'être bloqué par cette porte, sur ce truc-là. Yes! Oh, le bordel! C'est tout? Ok, je peux passer. Ça sert à un coup à se rester enfermé là-dedans, ça. Hein. On en parle des bruits? Putain, franchement, les graphismes, mais c'est d'une beauté. Je vais continuer d'en parler longtemps, hein. En plus, c'est fluide. C'est ça le truc qui me tue, quoi. Oh là là. J'entends quelqu'un parler. Il chante? Il y a un piano? Wow! Qu'est-ce qui se passe dehors? What? Vous avez vu la lumière rose? Il y avait du cyberpunk à l'extérieur. Donc là, il y a une partition de musique. Si... Attends, ça fait... C'est ça? Faudrait que j'apprenne à jouer plus que ça un jour, mais vous savez. Un jour, faudrait que j'apprenne à jouer beaucoup plus que ça. Hein. Parce que, genre, je ne sais jouer que un truc sur mon piano et c'est ça. Hein. Je suis pas très piano, moi. Mais j'aimerais trop, en vrai. Mais flemme, en fait. Ah, c'est ici que je dois mettre la jerrycan. Super. Franchement, c'est super. Genre, le menu, au final... Au début, je suis en train de me dire, le menu, il est bizarre, mais... Au final, j'en va, hein. Alors, j'ai besoin d'une... D'une manivelle que je n'ai pas. Donc, ouais, d'accord. Je vais monter à l'échelle. Et je vais voir, en fait, ce qu'il y a là-bas. Wouh! Comment elle monte l'échelle à une vitesse. Ils ont fait un choix. Est-ce que le personnage va monter marche par marche et être tuberlant, ou alors il va juste sauter? Bah il a sauté, hein. Bien il a sauté, je peux te le dire tout de suite. Hein. What the fuck is that? On dirait des trucs pour installer des caméras, des trépieds. Ou alors c'est des gicleurs pour arroser le toit. Non, c'est bien des trucs pour les appareils photo. Pourquoi il y en a autant? C'est des caméras qui sont dirigées vers le ciel. Ouais, donc il y a un petit côté alien au jeu, c'est ça? Pardon, excusez-moi. Donc le monsieur qui est là, en fait, il... Il est vraiment là pour ça, hein. Il surveille les aliens. Ah, c'est bien, je suis à l'endroit où... Ah ouais, mais si je descends, je pourrais... Enfin, je pourrais remonter, mais je vais devoir prendre un autre chemin, tu vois. Tandis que si je fais attention... Il y a des trucs aussi ici, il faut que je saute à l'intérieur. Attends, je peux mettre... Ah non, c'était là que je voulais aller. C'était quoi ce truc? Ah... C'est des datas. Donc c'est une photo où on voit les gens, en fait, ils font des trucs. D'accord, photo 2. Bon, data. Périmètre, moniteur capturé, remote caméra identifié, additional reshot urgent, occurrence, netcoft. Bah, pour l'instant, l'ambiance est pas mal du tout. Ouais, descends ça. Je peux juste enlever ça là. Ah tiens. Qu'est-ce que c'est? C'est écrit quoi? Say goodbye to back pain. Dites au revoir à la douleur du dos. Oh my god, c'est lourd. Oh bordel. Oh man. Voilà. Voilà, ça me permettra de... Si j'ai besoin de monter sur le toit à nouveau, parce que j'ai sauté en bas, je pourrais remonter juste par là sans passer par le garage. Il y a un hélicoptère qui vient de passer avec un énorme conteneur.
Wow. Wow. L'ambiance de ce jeu est insane. J'ai fait quelque chose peut-être, mais je sais pas quoi. Je suis pas assez curieux pour aller voir ce genre de choses comme ça, tu sais. Qui fait ça? Moi, je fais pas ça, moi. C'est pas du tout mon style, hein. Mind your state of mind. Ah, attends, les ennemis peuvent me trouver si mon espace mental est pas bien. C'était pas mal du tout. C'était pas mal du tout. C'était bien fait, hein. Franchement. Franchement, je suis. Ouais, la mise en scène de ce jeu est plutôt pas mal pour l'instant. Vraiment très bien faite. Alors, je vais aller de l'autre côté et voir ce qu'il y a dans ce trou là. Apparemment, il n'y a pas trop de chute, de dégâts de chute ou quoi que ce soit parce que le personnage n'a pas l'air de souffrir quand je fais ce genre de saut. Hello! Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai une échelle. Ok, on va... Oh, le bruit! Qu'est-ce que c'est que ça? Une seringue? Une seringue vide? Ok. Parce que du coup, j'ai pas rempli l'essence, moi. Ça marche, ça? Ah, oh, le bruit que ça fait, putain! Hello? C'est trop bizarre comment c'est fait. Genre, c'est un coffre qui ressemble vraiment au truc que j'ai. Genre, c'est un coffre qui réduit les choses. Tu sais, genre, tu mets des trucs dedans, ça devient tout petit. C'est génial. C'est quoi? Oh, il y a même des trucs aliens et tout. Donc, en tout cas, j'ai trouvé le truc que j'avais besoin. C'est une sorte de... la manivelle pour le pour l'essence. J'ai entendu ça par contre. J'ai entendu ça par contre. Ok. J'ai entendu un truc crier, hein. C'est... Je sais pas il est où le truc, mais il a crié. Oh! C'est la voiture qui était venue avec le train quand on est passé au train. Ah, c'est-à-dire que le chemin est passé. Le chemin est. Ah ouais, le chemin est libre maintenant. Je suppose que dès que j'aurai mis l'essence, je pourrai partir. Je sais pas si à chaque endroit je peux rester plus ou moins longtemps pour essayer de. Ça va le... la physique là ici ou bien. Voilà. Attends, comment je fais ça, moi? Bro! C'est super flippant, hein! Donc, comment je fais ça, moi? Est-ce
qu'il va finir par tomber si je fais ça? Oui! Ouais, j'ai réussi, hein. Ok, nickel. C'est bon? Allez! C'est le moment de naissance, là! Yes! Bon, on va pouvoir rentrer? Genre, mon objectif, en fait... Attends, c'est où qu'on va mon objectif? Grod, rotat, switch module... Média... Et après, item. En fait, c'est rigolo, parce que du coup, si je veux... Si je veux ouvrir mon inventaire, c'est directement j'appuie sur tab. Et j'appuie sur tab, ça marche direct. Hein. Sinon, je peux aussi utiliser la molette et regarder en même temps... Et regarder en même temps ce que j'ai dans mon truc. Ok, très bien. Il y a deux façons d'ouvrir ça, en fait. Ok, c'est bon, il n'y a personne? C'est bon, on peut partir? Est-ce que j'irai pas parler au vieux monsieur pour lui dire « Bro, j'ai vu des trucs bizarres. » C'était où encore? C'était de l'autre côté. Je vais peut-être aller lui parler et lui dire « J'entends des bruits et j'ai vu des choses. » Voir s'il a quelque chose à dire par rapport à ça. Je suis pas parti là-bas encore. Peut-être y aller aussi en vrai. Est-ce que je peux envoyer ce frisbee? Wouh! Ok, y'a plus. J'ai pas vu où je l'ai envoyé. Ça fait 3 jours. Avez-vous trouvé votre sœur? 3 jours? Je cherche une... Comment ça, 3 jours? Je cherche une église. Je cherche une église. J'ai dit partez. Ok, je promets, mais j'ai vraiment besoin de votre aide. Je cherche pour une église. À vrai dire, je voudrais entrer dans cette zone. J'ai entendu qu'il y avait un trou dans le premier mur à côté de l'église. C'est un peu plus loin sur la route, à la fin du village. Prenez à droite, juste après l'église, et vous... Mais si j'étais vous, je retournerais pendant que j'ai encore temps. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que vous l'avez vu? Je cherche pour ma sœur jumelle. Elle me ressemble, elle a les cheveux roux, même taille, et on a la même cicatrice sur le visage. Elle a disparu il y a 2 semaines. Et tous les signes menaient vers cette forêt. Est-ce que vous l'avez vue avec de la chance? Vous avez attendu 2 semaines avant de chercher votre sœur? Les secours ont été rappelés juste par la police hier. Ils ont arrêté de chercher hier. Je voulais venir plus tôt, mais ils ne m'autorisaient pas. Ils ne laissaient personne entrer ici à cause de l'empoisonnement dans la zone. Je n'ai rien vu ni entendu à propos de votre sœur. C'est bizarre et des choses bizarres et inhabituelles se passent ici tout le temps. Beaucoup de gens disparaissent ici. La plupart ne sont jamais revus ou entendus encore. Des choses inhabituelles? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Avant, c'était un endroit heureux, vous savez. Jusqu'à ce que... Mais non, bah regardez-le. Regardez maintenant. Ah, quoi qu'il en soit. Partez maintenant, s'il vous plaît. Comme je l'ai dit, ce soir, ce n'est pas comme d'habitude. Les tours, elles hument, elles font un bruit. Est-ce que vous les entendez pas? Quelque chose va bientôt se passer. J'entends rien du tout. Bientôt, vous l'entendrez. Et plus le temps vous passez ici... Plus vous allez entendre. Dépêchez-vous. Ok. Oh, claque pas la porte, c'est bon, j'ai compris. Bon. Est-ce qu'on va mettre de l'essence dans la voiture? On va la rapprocher un petit peu. Je suppose que c'est un peu notre lieu de sauvegarde. Je vais rapprocher la voiture jusqu'ici avant de... Je vais pas partir à pied dans cette direction. Je vais partir en... Peut-être que je partirai en voiture là-bas. D'ailleurs, il y a encore un truc qui est tombé sur le piano. J'adore. D'ailleurs, l'autre voiture est passée par ici alors qu'il n'y avait pas de chemin tout à l'heure. Apparemment, on n'a pas d'endurance. On peut courir autant qu'on veut. C'est une bonne chose, je suppose. Franchement, on aurait pu tomber en panne un peu plus proche de la maison. On est obligé de marcher comme ça
dans le noir, à l'orée d'une forêt. Dans la vraie vie, et il n'y a que des sauvegardes manuelles. J'aime bien comment il dit ça comme ça là. Essence. Ce jeu n'a que des sauvegardes manuelles. Si tu sauvegardes pas, t'es mort. Ok. Dès que je vais voir la tour, la ville, je chercherai pour l'église. Ça devrait être sur la droite. Comment on sauvegarde ? Comment on sauvegarde dans ce jeu ? Comme ça. Ok. Ce jeu, en fait, il faut pas oublier de sauvegarder. Je vais tellement oublier de sauvegarder. Je sauvegarde jamais dans les jeux, les amis. J'oublie, moi, à chaque fois. Oh non. J'ai pas mis beaucoup d'essence. Hein. Bon, la conduite et l'escalier, par contre. Hein. Je vais aller à droite. C'est pas la route, mais je vais aller voir ce qu'il y a au bout du chemin. Est-ce que le jeu m'autorise à aller là-bas ? Moi, on roule pas vite, tu vois. Ah bah écoute, apparemment, j'ai le droit. Hein. Ah, mais c'est le même chemin. C'est juste que ça passe pas sous l'arbre en fait. Mais c'est exactement le même chemin. D'accord, c'est juste une boucle. J'aurais pu passer sous l'arbre. Donc là, on n'a plus qu'à avancer vers la ville. Je fais pas exprès de zigzaguer, ma voiture elle va pas droite. Donc du coup, je fais des petits coups de volant pour la redresser, mais. Et des fois en fait, ça s'emballe et du coup, je pars en zigzag. Je fais pas exprès. Hein. Moi, je vais sauvegarder à chaque fois que je sors de la voiture. Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi cette lumière ? Franchement, l'ambiance, la musique, le... Ouais, pas mal du tout. J'adhère pour l'instant. Je sais pas ce qui va se passer dans ce jeu. Mais ouais, l'ambiance de prime abord comme ça, là, et ils ont fait un taf de monstrueux dessus. Je sais, et ce jeu, j'en ai jamais entendu parler, c'est ça le pire. Je sais même pas si les gens savent que ce jeu existe, hein, tu vois, c'est, j'ai trouvé sur itch.io. Oh, c'est fini. L'acte 1 terminé. Qu'est-ce qu'on voit ? C'est une sorte de nid, j'ai l'impression. Il y a des fleurs et une espèce de boule au milieu, un cocon, tu sais. Du coup, on arrive dans une nouvelle zone. Ok, donc l'église devrait être quelque part ici sur la droite. Ok, je la vois. Donc 12 octobre, il est 19h17. Hein. Ça va, il est encore tôt. C'est l'église, ça ? Je sais pas si je peux m'arrêter. Oui, c'est l'église, c'est l'église. Je sais pas si je dois m'arrêter là ou si j'ai un parking. Bah, je vais m'arrêter là, non ? Attends. Non, je peux pas sortir ? Non, c'est peut-être pas l'église en vrai. Peut-être que je dois pas m'arrêter ici. Peut-être que le jeu veut que je m'arrête à un endroit particulier. Je sais pas si c'est un jeu dans lequel je peux juste me balader en véhicule et sortir où je veux, tu vois. C'était peut-être pas l'église en vrai. C'était juste un bâtiment qui ressemble à... Qui était un peu long, mais c'était pas une église. De toute façon, il avait dit que c'est à la fin de la ville, après tu tournes à droite. Hein, donc ça m'étonnerait que ce soit au début, tu vois. Donc, on va continuer un petit peu. Ah, j'entends. Ouais, elle est devant l'église. Ouais, du coup, ouais, j'étais pas du tout au bon endroit. On va y arriver, de toute façon. On voit rien du tout, c'est incroyable. C'est un brouillard à la Silent Hill. Ah merde, il y a des... Je devrais... Garer le van à un endroit safe. Genre, j'ai pas vu, il y avait littéralement des sous-titres depuis tout à l'heure.
Bro. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ok, je me suis garé ici. J'ai choisi de me garer ici. Et je vais sauvegarder. Parce que pourquoi pas. Ah, le vent! Je pourrais aller là, éventuellement. C'est bon, là, c'est là où il est, le van, c'est bon, il est safe. Hein. Bon, c'est ça l'église, les amis. Je suppose que je peux entrer dedans. Et vous avez parlé d'un trou dans le mur pour pouvoir y accéder. Je sais pas si c'est genre... je peux passer là-dedans, clairement. Donc là, je suis à l'arrière de l'église. Hein, donc il faut passer vers l'avant. Et l'avant devrait sans doute être probablement de ce côté. Est-ce que je peux marcher dans les hautes herbes? Est-ce que j'ai le droit? Oh mon dieu, j'ai le droit et je peux. Je peux aller où je veux en fait. J'ai rien dit, je peux pas. J'étais là, on était en mode de, attends, on peut aller où on veut et tout, c'est incroyable. Non, 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 on peut pas. C'est des alertes. Il y a une alarme. J'aimerais bien voir c'est quoi cette alarme. Juste pour vérifier. Une voiture dans les arbres. Putain, ça me fait penser à... c'est Siren Head qui fait des trucs comme ça, les gars. C'est Siren Head qui fait des trucs comme ça, les gars. Siren... Siren Head, c'est toi ? Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un jeu Siren Head en plus. Genre c'est passé de mode maintenant. Parce qu'il y a pas mal de gens qui sont en mode ouais c'est quand tu en refais un, mais je suis en mode je peux pas, c'est pas de ma faute. C'est les gens, les développeurs indépendants qui décident d'en faire ou pas. Et là pour le coup, Siren Head, il n'y a plus quoi. Ça donne, un petit côté urbex en fait à la... au jeu je trouve. D'accord. J'ai l'impression d'être au même endroit. J'ai l'impression que c'est une sorte comme une safe room. Et elle est toujours un peu similaire, genre avec ce système de wagons, etc. Je sais ce que c'est en fait. Je sais ce que c'est. Je suis coincé? Je sais ce que c'est ça. C'est un coffre magique dans lequel je vais pouvoir mettre mes objets et à chaque endroit de la map, il y aura toujours un endroit où il y a un coffre magique et je pourrai récupérer mes objets là-dedans. C'est comme dans Resident Evil. Donc à chaque fois que je vais trouver une échelle comme ça dans le sol, ça va mener à la même pièce. Parce que c'est exactement la même pièce. Donc c'est pas expliqué de façon logique dans le jeu, c'est juste un élément de gameplay. Alors c'était un peu rose. J'ai vu ça. Bon l'église elle est derrière moi, par contre je me suis vachement éloigné là. J'entends des bruits comme s'il y avait un truc gigantesque qui marchait. Je lui dis, j'ai l'impression qu'il y a Siren Head. Allez, c'est de l'urbex. Hein. On est dans un jeu Urbex Simulator où on visite que des endroits délabrés avec une ambiance très épaisse quand même, comme vous pouvez le voir. Avec le brouillard, etc. Le premier mur. Ah, c'est ça les murs qu'elle parlait. Mais j'ai pas le contexte en fait du jeu. Il parle de choses que je ne sais pas. Je dois traverser ça d'une façon ou d'une autre.
Ils ont fait un mur comme ça, gigantesque. Donc l'église, c'était juste un point de repère. Genre, c'était pas un trou dans le mur de l'église. C'est un trou dans le mur à côté de l'église. Donc, vu qu'on a des aliens, a priori, ils seront... Peut-être qu'il y a une zone de crash à l'intérieur. Ils ont construit un mur gigantesque pour les contenir. On m'a pris en photo, là, non? Oh, c'est flippant! J'entends... la personne, elle a vu que je l'ai vu et s'est barré en courant. C'est des barres... Ah, c'est dangereux, ça, non? Oh, il y a un zèbre. Ah. Ah, c'est le fameux trou dans le mur. Et des barbelés dans tous les sens. Par contre, c'est super dangereux. Je vais prendre des dégâts avec ces conneries. Elle est déterre, la meuf. Hein. Ah ouais, j'ai pris des dégâts. C'est bon. J'ai pris... Et je commençais aussi à avoir des dégâts mentaux. Parce qu'il y avait le petit cerveau là qui rentrait en... En action. Ouais, d'accord, il y a un énorme trou dans le mur ici. Maintenant, je suis dans la zone. Je suis Ground Zero. Ground Control to Range the Tom. C'est la Bambi? What? Bambi, il avait des tentacules, les gars. Les trucs dans la zone, ça a pas l'air cool. On voit que le jeu commence tout juste parce que c'est un... y a encore les noms des développeurs qui apparaissent en bas. J'avais pas vu. Je viens de remarquer. Petite maison bien abandonnée, comme on les aime. Putain, j'ai eu peur. Je veux pas rentrer dedans. Je sais pas pourquoi je veux rentrer là-dedans, mais bon. Hey. C'est la première maison que j'ai trouvée, donc c'est pour ça que je voulais rentrer dedans à la base. Ah, il y a une échelle sur le côté. Ça marche aussi. Putain, là, j'adore comment elle monte les échelles. C'est le grenier. Ok, j'y suis. Alors, pour y aller facilement maintenant, je peux pas enlever le sac de patates. Il bloque le chemin. Y a rien. Attends, peut-être que dans les vases, en fait, ce jeu m'a montré qu'il y avait des trucs dans les trucs. Donc du coup, toujours faire gaffe hein, au hasard. Si jamais. Ok, j'ai un trou là. Qui doit être plus gros que ce trou là. Ok, bon. On va passer par là alors. Hop, je vais me faufiler. On aime bien entrer dans les petits trous visqueux et bien dégueulasses, hein. Ah, il y a du courant ici. Non, on peut rien faire. Ah, maintenant, il manquerait plus que ça, l'étoile d'araignée. Et... ça rend bien, ouais, ça rend super bien sur l'image. Putain, c'est insane. Graphiquement, le jeu est vraiment insane. J'entends des bruits autour de moi. C'est bizarre, il n'y a pas de rats. Par contre, il y a des poteaux de lumière qui sont là. Genre, t'es un peu en mode... C'est bizarre. C'est un peu bizarre. Ça fait plus ni qu'autre chose. Hein. À quel moment j'ai quitté le monde réel pour être dans un endroit... c'est genre, je suis dans mon esprit, c'est ça? «
Ouais, elle saute, elle monte beaucoup trop vite à mon goût, parce que des fois t'aimerais bien genre juste en mode je vais juste monter un petit peu la tête, et elle est en mode allez c'est parti, on va voir ce qu'il y a de l'autre côté. Ah, vous savez quoi, on va sauvegarder. Parce que ce jeu ne sauvegarde pas pour toi. Et si c'est pour mourir maintenant, ce serait con. C'est des coqs? C'est des poules? C'est des poules? J'entends des petites poules. Une sorte de poteau lumineux gigantesque. Pourquoi sa sœur serait perdue ici? Sa sœur est scientifique parce qu'elle a créé des choses. Donc attends, oui c'est sûrement ça la blague. Ok, alors du coup il y a cette grande tour là. Et il y a une espèce de fil gigantesque qui va dans cette direction. Donc je vais suivre le fil. On aime bien courir à travers champ comme ça. Il y a toujours des trucs qui peuvent t'attraper, on sait jamais. Non, c'est une fleur. C'est une fleur, c'est Ross. C'est une fleur. C'est une fleur, c'est Ross. Continue dans cette direction. De toute façon, j'ai pas 10 000 endroits où aller, tu vois, donc... Je reste loin des bruits de poules, hein. Et je suis sûr qu'il y a un... Vous savez quoi, quand je joue à ce jeu-là, j'ai l'impression de jouer, vous savez, un peu à Inside, à Limbo et compagnie, vous savez. Sauf que là, c'est en FPS. Genre, c'est présenté un peu pareil. C'est un jeu qui a pas trop de son, il y a beaucoup de... C'est tout dans l'ambiance sonore. Et les visuels sont magnifiques. Et là, c'est un peu pareil. Genre là, on aurait été dans un jeu comme Inside, on aurait eu une vue de surcôté de notre personnage qui suit justement ce grand fil là. En fait, il y a une version 2D de la même chose, c'est totalement possible, tu vois. Oh, le bruit sourd, s'il te plaît. Ok. Fuck is that? Je l'ai vu. Wow. Tous les trucs autour de moi s'envolent. C'est trop bien fait. La lumière rose cyberpunk. Oh my god, il y avait ces messieurs là dans God of War. J'ai pas sauvegardé, je vais me faire tuer. C'est bon? Ok, tout va bien. Il a pas voulu me tuer, il voulait juste communiquer avec moi. Donc ça m'a fait vachement penser à une espèce de boss qu'il y avait dans God of War justement. Qui se transformait en petite boule comme ça là. Ragnarok, hein, bien évidemment. Bien évidemment, je parle très mal. Putain. Je peux plus sauvegarder. Toujours pas. J'essaye. Wow. C'est super stylé. Hein.
On dirait une sorte de respiration. Comprendre ce qui se passe, mais pour l'instant je subis énormément et je suis un peu émerveillé par ce qui se passe, tu vois. Genre, j'avais longtemps que j'aurais abandonné, je serais retourné au van. Hein. Ah, je le vois. Il y a des gens autour. Wow, il y a plein de gens autour. Oh, l'image est trop magnifique! C'est trop stylé! Je vais me faire choper aussi? Créé par Adam. C'est stylé. Cordosis. OMG. D'accord. Bah, je valide totalement ce jeu, l'ambiance de ce jeu et la mise en scène, ainsi que les graphismes. C'est juste incroyable. From the next episode of Cordosis. Attends, c'est en plusieurs épisodes ? Mais du coup, je peux jouer déjà ? Oh mon dieu, ce que je n'aime pas les... Attends, c'est un trailer jouable. C'est un trailer jouable, les amis. C'est littéralement un trailer jouable, c'est la première fois. Oh. Épisode 2, Addit. Oh là là. Alors si c'est un vrai trailer, ça veut dire que là ça va se terminer en jumpscare. Ok. Et je peux monter par là. Et on peut monter à une vitesse incroyable. Pistolet. Qu'est-ce qu'il y a dans mon inventaire ? Pourquoi dans mon inventaire il y a un corps humain ? Ah, un artefact alien. Ok. Je peux pas m'en débarrasser en tout cas. J'ai des balles, j'ai la seringue. Hack. Je peux le mettre nulle part. Et ça c'est quoi? Médecine. Je peux le mettre nulle part non plus parce que j'ai trop d'objets.
Comment je m'équipe avec mon arme? C'est 3. Ah super, ça donne de la place dans mon inventaire. Hop, voilà. Ok, j'ai une arme. Et j'entends des bruits. Il doit pas être loin. Quelque chose respire. Oh putain. Putain. C'est vraiment un trailer jouable. C'était vraiment un trailer jouable. C'est la meilleure idée ever. Merci d'avoir joué à mon jeu. Oh mais non, c'est déjà fini l'écueil, ça veut dire que j'avais pas la suite hein. Je pensais pas être investi autant dans ce jeu. C'est trop bien. Cordosis. C'est insane en fait ce petit jeu qui vient de sortir. Qui est pas sorti du coup. J'espère que vous avez aimé le premier épisode. Je peux vous assurer que ce qu'il y a, il y en a plus dans le magasin à venir dans les futurs chapitres. À partir de maintenant, Cordosis épisode 2, Addit, est 90% terminé et sera complètement jouable du début jusqu'à la fin. Mais ce nom peut être peut varier selon votre support. Ok, d'accord. D'accord. Ok, bon bah écoutez, si jamais, en fait c'est un jeu Kickstarter je suppose. Ok, j'aurai donc accès à l'épisode 2 parce que j'ai acheté la Founder Edition. C'est un jeu Kickstarter a priori, il est sur itch.io, le lien sera dans la description. Si vous avez envie de le tester par vous-même et découvrir un peu le gameplay, etc., le potentiel que possède ce jeu, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Je trouve que le jeu est vraiment incroyablement beau et super intriguant. Voilà, je vous fais des gros bisous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et bien évidemment, n'hésitez pas à cliquer sur la vidéo qui va apparaître en plein milieu ici, car je suis sûr que vous ne l'avez pas vue et qu'elle va vous plaire. Je vous fais des gros bisous. Bye, c'est Ross, out!